raison. D'abord, ce que je pense que c'est quand on arrive à un certain âge, c'est un peu un devoir de communiquer ce qu'on sait. C'est pas tellement qu'on apprend des choses aux élèves un peu, mais surtout de leur donner confiance en eux. Des échanges, et puis c'est très agréable parce que ça vous oblige à réfléchir sur votre métier, sur vos films, sur ce qu'on fait, etc. Donc ça va dans les deux sens. J'ai fait ça dans différentes écoles, je le fais de plus en plus et je trouve que c'est un peu un devoir. Oui, je l'ai. Oui, non, c'est. C'est bien parce que ça me donne confiance quoi dans l'avenir quoi. Non, ils sont intéressants les élèves. Mais le cinéma marocain, ça fait quand même longtemps qu'ils font des choses extrêmement intéressantes. Ça m'étonne pas d'ailleurs. Je veux dire, pour moi, c'est pas. D'abord, d'une manière, la technique a fait que le cinéma se démocratise quand même. C'est-à-dire qu'on peut faire des films avec. Enfin, c'est pas tellement nouveau, mais ça s'est accentué, disons. Ce sont des pays qui ont des choses à dire. Alors que peut-être que dans les pays entre guillemets occidentaux, on n'a peut-être pas non plus grand-chose à dire. Je crois que le talent, il émerge plus facilement dans ce qu'on appelle les pays émergents.